Bonjour à vous tous et à vous toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'À plus d'un titre. Aujourd'hui, présentation du livre de Nikos Nikolaïdis, Les clous de la croix, qui est un roman, mais nous n'avons pas l'auteur, nous avons les traducteurs avec nous. Donc, on salue évidemment la présence d'Alexandre Zotos, qu'on connaît bien à Saint-Étienne, et aussi de Marie Grécos, qui a collaboré avec lui pour la traduction. La réalisation technique est d'Emmanuel Bouissière. Non, je voulais dire que de toute façon, on ne pouvait pas voir l'auteur parce qu'il est mort il y a une cinquantaine d'années. Alors, l'auteur est mort, donc on ne l'a pas, vous pouvez le constater. Mais on ne perd pas au change puisque, avec vous, on va découvrir pourquoi vous avez eu envie de traduire ce livre, et on va évoquer ce monde très très étonnant qu'on découvre grâce à votre traduction. Alors Jacques, un mot d'abord pour découvrir non pas l'auteur qui est mort, non, mais les traducteurs qui eux sont bien vivants. Alors, je vous assure. D'abord pour découvrir Alexandre Zotos, qu'on ne découvre pas puisque il a participé déjà à plusieurs de nos émissions, qu'il est de la maison puisqu'il est professeur de lettres à l'université, c'est un ancien élève de Claude Fauriel aussi, et il traduit le grec et l'albanais, mais il a appris l'albanais de façon autodidacte parce que chez lui, on parlait le grec. On parlait le grec parce que son père était citoyen albanais grécophone, d'un petit village, j'y suis allé dans un petit village, ouais. Il y a cinq petits villages qui sont grécophones. Ton père est venu en France à 14 ans, voilà. Ta mère l'a rattrapé à 20 ans, à la maison on parlait grec et donc tu as appris l'albanais après. Ensuite, oui, par la Alors, tu es un des traducteurs de Cadaré. Oui. Grâce à toi, on a eu Cadaré à la fête du livre il y a fort longtemps. Et il est devenu docteur honoris causa de l'université Jean Monnet. C'était cette année-là, si tu te rappelles, il y avait Cadaré et Michel Tournier. Et oui. Tous les deux espéraient le Nobel, qui se faisaient un petit que la gueule l'un et l'autre, et qui n'ont eu ni l'un ni l'autre. Qui parlent des légendes l'un et l'autre. Et alors, pour rappeler un petit souvenir, nous sommes allés ensemble, j'ai vérifié, c'était en 1994, à la prison de Saint-Étienne, à la Toulaudière, pour parler d'Ali Prodenja, qui était un poète, et donc on a vu les détenus ce jour-là. Un poète albanais, oui, c'est ça. Alors Marie, quelques mots pour votre parcours. Vous n'êtes pas prof. Non, je ne suis pas prof. Ça fait une dizaine d'années et dans des associations, je donne quelques informations sur le grec, sinon quelques cours. Et je suis donc grecque de naissance, française d'adoption. Et je suis juriste de formation, donc vous voyez, ça n'a rien à voir, mais ma passion, c'est la lecture. C'est grâce à la lecture que j'ai avancé en français. Et puis, à un moment, j'ai connu Alexandre et il m'a demandé un coup de main pour faire connaissance ensemble de cette langue particulière qui était celle de Nikos Nikolaïdis. Voilà, alors cette langue, c'est effectivement le grec, mais le grec de Chypre. Oui, c'est la première raison qui m'a fait solliciter Marie. Il y a des cyprismes, des cyprianismes, si on peut dire, dans cette langue, à beaucoup d'égards, dans le vocabulaire surtout. Et voilà, pour être plus sûr de moi, j'ai voulu me sentir épaulé un peu. Voilà. Alors, l'auteur n'est pas là, mais dites-nous un peu de qui il s'agit. Alors, comment vous avez découvert ce livre? Quel statut a ce livre dans la littérature grecque, s'il en a un? Je crois qu'il a été longtemps ignoré, mais il fait figure maintenant, et son auteur aussi, de pièce maîtresse de la littérature chypriote et même hellénique dans son ensemble, après qu'on l'a un peu boudé, ignoré, parce que l'écrivain ne sortait pas du sérail, un peu autodidacte, on en reparlera un peu. Mais cinéaste aussi.
Comment ? Mais cinéaste aussi. Il est peintre d'icônes. Oui. Il était plutôt peintre, pas cinéaste. Il y a peut-être un. Tu parles peut-être d'un homonyme qui est. Non, il me semblait. Il n'a pas touché au cinéma. Non, il a touché au théâtre. En tous les cas, il a beaucoup aimé et même pratiqué le théâtre. Et puis, il a vécu en particulier de ses œuvres artistiques de peintre d'icônes. Voilà. Il a été un peu oublié, c'est vrai, pendant longtemps, et il a refait surface récemment. Divers ouvrages lui ont été consacrés en Grèce, des recueils d'études, des colloques. Il est surtout connu pour des nouvelles, d'ailleurs. Le peu de notoriété qu'il a acquise, c'était comme nouvelliste plutôt. Ce roman était un peu curieusement oublié. Or, voilà, si vous voulez, l'histoire en deux mots de ma rencontre avec lui et avec ce livre. C'est tout simplement qu'au moment où moi je voulais me remettre à niveau en grec moderne, je me réinscris comme étudiant à Lyon, où il y avait des cours de grec moderne, et on met au programme, un des assistants du professeur en titre là-bas l'avait mis au programme. Alors ça remonte à pas mal de temps. Par la suite, quand j'ai pour relayer mes traductions d'albanais, quand j'ai voulu donner aussi un peu au grec, je me suis dit on va voir, puisque ce livre, quand même, je l'avais lu et je trouvais qu'il y avait quelque chose à en tirer, même si je sentais d'emblée quelque chose qui me résistait, une résistance linguistique. Alors, il faut dire aussi que c'est un peu. Pas donné dans le drame et dans le pathos, ouais. mais j'étais content que ce soit un chypriote, parce que ça me renvoyait, je voulais donner faire quelque chose pour Chypre, parce que j'ai un souvenir familial. Lui, il est mort en 54, quand commençaient les événements de l'accès à l'indépendance de Chypre contre la domination anglaise. Et j'ai vu mon père pleurer. Quand on a annoncé la pendaison des jeunes chypriotes dont il est question dans le livre, parce qu'ils sont dans le club progressiste de ce personnage de philosophe qui rassemble tous les jeunes lycéens. Alors ça m'a vraiment donné envie de l'offrir à mon père, ce livre-là. Voilà, tout simplement. Alors, il faut ensuite se mettre au travail, oui. Et puis convaincre un éditeur. Il n'a pas commencé par ça. Alors, il a tout traduit sans s'occuper de l'édition. Absolument, oui. Oui, c'est ce qui est original. Ah oui, j'ai traduit. Et alors, je peux dire que le travail a été entamé de longue date, puisque, pas tout de suite à l'époque où j'étais étudiant, mais enfin de longue date, et après des glaciations successives et des décantations successives jusqu'au... arrivé à une certaine étape, j'ai senti qu'il fallait quand même solliciter un peu Marie pour vraiment cette fois-ci faire l'étape finale. Et après l'avoir effectivement, avoir essuyé des refus, il y a eu un éditeur gréco-français, les éditions Desmos, pour l'accepter, et j'en suis très heureux. Voilà. Alors, le sprint final, on travaille comment avec Alexandre pour... Je dois dire que je suis ici une intruse grâce à Alexandre, parce qu'en réalité, il a tout fait. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été aussi une découverte énorme, cet auteur, et que je ne connaissais pas, qui couvre vraiment des espaces dans cette Méditerranée et étonnante, dans la mesure où c'est un enfant donc de la fin du 19e siècle. Il est né en 1884 et il est très pauvre, il perd ses parents avec une petite sœur à l'âge de 6-7 ans. Les dates sont approximatives parce qu'on n'a pas de ressources. Vous voyez un peu ce que ça fait de 1890. Et il va à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Et puis il quitte l'école parce qu'il est obligé d'aller travailler comme petit garçon bon à tout faire. Hein. C'était un garçon bon à tout faire dans une famille. Et il a juste acquis la lecture et l'écriture élémentaire avec cet idiome ou dialecte chypriote.
Et puis il va vers la ville. C'est tout ce qu'on a dans le livre. C'est en grande partie autobiographique. C'est ma conclusion quand j'ai essayé un peu de regarder sa vie. Et il devient comme les petits garçons dans le livre, celui où on lui tape des claques. Le souffre-douleur de n'importe qui rentre dans les commerces divers et variés, où il a fait ses premiers pas dans la vie en réalité. Et puis, à partir du moment où il grandit un peu, il quitte cette ville et il commence à faire le tour des campagnes de Chypre, et là il visite beaucoup de monastères. Et quel est l'avantage de cette expérience? Il y a un double avantage. D'abord, il avance en lecture, parce que les moines l'aident à apprendre à lire. Qu'est-ce que sont les textes ecclésiastiques, sont les textes orthodoxes grecs? Donc il avance dans sa connaissance de la langue grecque et il l'acquiert. C'est-à-dire, là où il connaissait que l'idiome chypriote, on voit qu'il s'installe aussi sa connaissance sur la langue grecque, et aussi il apprend cette peinture spéciale, l'iconographie, c'est-à-dire peintre des icônes, qui devient pour lui un gagne-pain, qui l'aide à survivre, parce que jusqu'à la fin de sa vie, il a fait ça. Il n'a jamais voulu gagner quelque chose de ses écritures, c'est étonnant. Et dans son testament, et celui qui a nommé comme exécuteur testamentaire, il demande que c'est libre de droit, ses œuvres. C'est vraiment difficilement concevable. Et il a fait tous les métiers, même pâtissier. Hein. C'est relieur, mais il a été dans une imprimerie, on l'a mis à la porte très rapidement parce qu'il ne faisait que lire, il ne travaillait pas. Ça, c'était déjà en Chypre. Et en 1907, donc on est au début du XXe siècle, il va à Athènes, il va vers la Grèce continentale, etc. Voilà. Alors, je vous propose de partir en Grèce en écoutant Alexandre, mais en l'écoutant avec de la musique. Ça s'appelle, c'est très joli, je trouve, le morceau que vous nous proposez. La complainte du pêcheur d'éponge. La complainte du pêcheur d'éponge sur un petit rythme de Sirtaki. Voilà, c'est ça. Toi par là-bas et moi ici, dans les profondeurs de ma folie. Moi par ici et toi là-bas, en mon chagrin je coule et je me noie. Laisse tomber la peine et le dépit, viens me retrouver par les amis. Notre coin de rue sans toi dépérit. J'ai pêché même une éponge pour effacer cette lune ronde. On s'aime encore mieux plongé dans la nuit. Viens me retrouver par les amis,
notre coin de rue sans toi dépérit. J'ai pêché même une éponge pour effacer cette lune ronde en s'aimant encore mieux plongé dans la nuit. Voilà, un extrait d'Alexandre Zotos. Je crois qu'on peut applaudir. Oh, c'est superbe. Arrêtez. C'est vrai, beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse aussi, oui, un petit clin d'œil. Une petite scène d'épis amoureux, mais tournée avec de la dérision, de l'humour, parce que le complaint du pêcheur d'éponge, déjà le titre, voilà, a quelque chose d'un peu saugrenu, il va rigoler. Voilà, alors on se plonge dans Les Clous de la Croix, ce roman que vous avez traduit tous les deux. Alors c'est vrai, quand on ouvre, on commence par se demander... Que peuvent bien signifier cette expression, les clous de la croix? Alors, les clous de la croix, très vite, on repère qu'il doit y en avoir trois. Oui, oui. Et effectivement, ce sont eux qui vont jalonner, oui, le parcours de ce petit gamin, vous l'évoquiez, Marie, tout à l'heure, qu'on va suivre, disons, depuis qu'il a une dizaine d'années, voilà, jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Le titre grec, d'ailleurs, c'est les trois clous. Hein, les trois clous seulement. Mais la présence de la religion est telle dans le livre, à beaucoup d'égards, qu'on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une métaphore, qu'il utilise la crucifixion comme une métaphore pour le destin de cet enfant, conçu jusqu'à sa mort. Son livre se distribue en trois clous. En trois clous. Il intitule les trois grandes parties, pas les chapitres, trois grands chapitres qui sont clou premier, clou second, clou troisième. Avec des chapitres à l'intérieur. Et des chapitres à l'intérieur. Et voilà, une longueur relativement variée, parce que le troisième clou, si j'ose dire, alors lui, c'est le plus long, c'est le pire, c'est l'apocalypse. Absolument. Je vois Jean-Pierre Rigol. Voilà. Alors, ce destin... Le livre est très étonnant parce qu'il nous plonge dans la vie de ce petit peuple qui n'est jamais dans les histoires. Les histoires, c'est les histoires de bourgeois, de nobles, etc. Là, c'est le peuple, oui, le vrai peuple grec, chypriote. Et on a l'impression, on s'y croit, quoi. Absolument. Ça peut être une sorte de fable à beaucoup d'égards. On est en plein dans la réalité quotidienne d'un quartier périphérique de Nicosie, qui n'est jamais nommé. Et il y a des initiales qui disent bien que on est parfois l'action se déplace vers Paphos ou vers telle autre ville. Il dit la ville. C'est une façon pour lui de distancier un peu les choses. Mais on est bien dans Nicosie, dans un quartier. On a vu des films sur Naples, par exemple, hein, la Ciociara. Moi, je voyais ça. Je me représentais certaines scènes à travers le Napoli. Voilà. Ouais. Du coup, d'ailleurs, on a pensé, certains critiques ont dit, ah, c'est un livre magnifiquement réaliste, alors qu'il y a beaucoup d'égards. En fait, il transcende ce réalisme, mais il y a une chair, il y a une consistance du quotidien et du petit peuple. Alors ce petit peuple, il est très drôle, parce que c'est un livre. Le destin de ce pauvre Cassianos est absolument tragique, puisqu'il va aller de clou en clou, de catastrophe en catastrophe. Mais c'est raconté avec beaucoup de drôlerie, je ne sais pas, non. Jacques. On peut dire que s'il y a quelqu'un qui est harcelé dans la vie, c'est lui. Il fait tout ce qu'il faut pour. Il a choisi son quartier, d'ailleurs. Oui. Et après, il devient un personnage important parce qu'il a un magasin, une échoppe, on peut dire. Oui. Un estanco. Enfin, un estanco. Il y a juste une fenêtre, encore toujours. Oui, c'est assez curieux comme bâtiment, oui. Et où il vend tout. Il est le seul à avoir tout, des produits un peu particuliers, pharmaceutiques. Des produits dont il faut taire un peu l'origine et l'usage, oui. Et oui, puisqu'à un moment, il y a une personne qui pleure parce qu'elle a utilisé ses produits. Il part de son village et dès le début, on entre dans cet univers qui est un univers marqué quand même par le poids à la fois de la famille et de la religion. Ah oui,
Oui, là, il est toujours question de la religion comme institution. Il faut dire aussi que nous sommes au tournant du 19e et 20e siècle, même on assiste, enfin au passage, à la passation de pouvoir entre l'autorité ottomane et l'autorité anglaise. Oui. Et donc, c'est en arrière-fond. En arrière-fond, tout à fait en arrière-fond. En disant d'ailleurs, pour dire que les Anglais, on ne les voyait pas dans les tavernes que lui se met à fréquenter à un certain moment. Ou si on les a vus, ils prennent un coup de griffe, c'était pour se peinter, la point de suspension. Et donc, oui, il est, je sais plus, voilà, question sur l'idée. Ce personnage, donc, est marqué dès son origine par la religion et la famille. La religion et la famille, c'est ça. Alors, bon, l'orphelinat. Marie nous en a parlé, hein, c'est la mort de sa mère, et d'ailleurs son père avec qui il ne fait que correspondre, il ne voit plus le père. La religion, alors omniprésente, parce qu'elle reste l'institution civile, c'est elle qui prononce les unions, les divorces, et célèbre les mariages, et tient l'état civil. Alors du coup, elle est partout présente, et puis alors... dans ces aspects d'ailleurs aussi, mondains, séculaires, ô combien séculaires, et terre à terre, puisqu'il se voit accusé de ne pas aider assez, de ne pas assez donner au denier du culte, etc. Mais c'est quand même par la religion, par une œuvre de bienfaisance religieuse qu'il essaie de s'imposer à un certain moment. Voilà. On va donc suivre le destin de ce personnage. Alors le premier clou, c'est... Ne plus avoir de soucis dans la vie. Être sûr de manger. C'était un mot qui employait soin. Faire le chiffre. Le chiffre. Oui. Vous l'écrivez d'ailleurs en italique, le mot chiffre. Souvent, parce que comme pour le sacraliser, parce que pour montrer que pour lui c'est une obsession. Je ne sais plus, peut-être que Maris en a souvenir, ce que traduit du grec ce mot-là, mais en tous les cas, il a un objectif qui est obsessionnel, c'est de se mettre à l'abri de tout besoin. D'arriver à ce que disaient les stoïciens, l'ataraxie finalement. Tranquille. Ah oui. Tranquille. La tranquillité. Se mettre à l'abri même des coups du sort. Parce qu'on est dans l'Orient. Alors, l'idée de la fatalité et du sort est toujours là. La crainte, la hantise, du mauvais sort, du malheur. Voilà, et le mauvais œil. Il y a toujours des histoires comme ça où le malheur rôde toujours. Il faut prévenir. Et alors, c'est une lutte, diabolique, à certains égards, pour amasser de quoi pouvoir dire je n'ai besoin de rien. À la fin du premier clou, il est pratiquement arrivé. Oui. Alors, mais au plan matériel. On rigole beaucoup parce que évidemment, il utilise des moyens. Enfin bon. Oui. Là, il faut lire le livre pour entrer dans ce personnage. Donc c'est le premier clou. Seulement tragédie, on arrive à la fin du premier clou, mais il est quand même extrêmement malheureux, votre Cassionnet. Malgré les blagues que lui fait le Caragueuse, malgré tout un tas de choses autour de lui, ça ne va pas. Il est triste. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie? C'est-à-dire, tout au long de... C'est une dizaine d'années qu'il lutte pour acquérir donc le chiffre. Contre qui? Donc son commerce est installé parmi des gens de tout petits gens, comme on dit, de tout petites gens, et rien ne l'arrête. Il n'y a pas de petits profits. Donc ça s'exerce sur des populations extrêmement pauvres, c'est inimaginable. Et puis quelle chance. Il s'agit d'un terrain vague où les enfants jouent, où les bonnes femmes tout autour hurlent, souffrent, rient, fêtent, etc. Et lui, il est regardé à partir d'un certain moment. Quand tout le monde se rend compte qu'il n'hésitera devant rien pour arriver à son but, c'est le signet de Satan. On l'appelle le signet de Satan. Il est détesté de tous. Il est détesté de tous à un tel point que petit à petit, il y a comme dans... Il faut voir quand même les choses comment elles sont au début du XXe siècle pour toute l'Europe, à mon avis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la ville qui s'étend
à cause ou grâce à l'arrivée des Britanniques, on ne sait pas, mais toutes ces petites maisons de rien du tout, des baraques, on les démolit pour faire construire des immeubles. Donc, ne serait-ce que par les ouvriers, les maçons, tous ces métiers qui sont là pour construire ce nouveau quartier, ils commencent à gagner de l'argent beaucoup plus aisément et beaucoup plus rapidement. Donc là où il était à 8 ans, il pensait ne pas arriver, avant 10 ans, il arrive à faire son chiffre. Et il a son premier clou. Et tout le monde le déteste. Alors, le second clou, eh bien, le pauvre, il s'aperçoit que sa vie est un enfer parce qu'il est tout seul. Et ouais, voilà. C'est la solitude. C'est la solitude. C'est fort quand même, ça. Ah oui, c'est la solitude. Alors, il y a de très belles pages là, très fortes. Il se voit devenir, entre ses murs et... c'est partie prenante de ses murs. Il est réduit à ses murs. Il se voit chosifié, carrément. Et là, il y a des passages... mais alors, il faut bien se dire aussi, quand même, que même dans la première période, en dépit de tous les assauts et de toute l'agressivité, la rancœur... Il faisait partie du quartier. Il faisait quand même partie du quartier. Et je crois que c'est déjà... je ne me rappelle plus, vous voyez, déjà, parce que... Ça commence déjà à être un peu derrière moi, mais il y a une bonne âme quand même, c'est le fameux Strangas, acteur. Le Caragios. On l'appelle le Caragios, parce que bon, un Caragios en grec, c'est un guignol, c'est le guignol du terme. Le clown. Alors, ce clown qui est sa bonne âme quand même, puisque... Et puis, il y a déjà un monsieur avec un manteau, un vieux monsieur, qui a toujours des journaux, des livres sous le bras. Diogène, le philosophe. Ce qu'elle nous a dit, Marie, tout à l'heure, sur son commerce des livres, qui a un mot gentil quelquefois, tu n'auras jamais faim, toi, jamais faim. Il y a déjà une première résonance dans ces paroles. Et alors donc, tout ça s'amplifie au clou second. Et surtout, je crois, ce qui est déterminant, c'est son séjour à l'hôpital. Mais ça, c'est peut-être c'est très étonnant. À l'hôpital, il se trouve très très bien parce qu'on prend soin de lui. On prend soin de lui. Tout le monde s'occupe de lui. Voilà. Alors, les c'est un premier gentils. Soin. Alors, là aussi, il prend conscience, peut-être de sa solitude et du remède qu'on peut apporter à sa solitude. Oui. Alors, parce c'est que le second. Au milieu de tout ce monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, il se trouve tellement seul qu'il se prend pour Robinson Crusoe, qui cherche son vendredi. Ah oui. Il y a un souvenir de sa lecture d'enfance qui remonte et il cherche un vendredi. Oui. Alors un jeu d'intertextualité. À beaucoup d'égards, ce livre a des aspects, d'ailleurs, de réécriture vis-à-vis des évangiles, vis-à-vis de certains textes fondateurs de notre imaginaire, etc. Oui. C'est donc le second clou. Allez, un petit peu de musique grecque pour grâce à Emmanuel. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Je pars, le capitaine, pour Gibraltar, pour Athènes, pour ta filet. Nous partons, disent les mousses, pour mal tous les nuits sont douces, comme le lait. Nous partons, dit le pilote, pour l'Inde où la jonque flotte, pour Tétouan, pour Chypre, la belle femme, et pour le pays des âmes, dit l'océan. Homme, vous rêvez de croire que vous vaincrez mon eau noire au fier bouillon et ma vague aux mille étincelles en pendant à des ficelles quelques haillons. C'est donc là votre navire, une écorce qui chavire sous tout climat. Cette épingle qui m'éraille, c'est l'ancre, ce brin de paille, c'est le grand mât.
ces quatre planches mal jointes se déchireront aux pointes du moindre écueil. L'homme au front triste aux mains blanches ne sait clouer que les planches de son cercueil. Voilà, la voix de, d'Alexandre. Des clous, là encore, clouer le cercueil. Et voilà. Alors, la troisième partie, qui est de loin la plus importante, oui, il, plus et c'est vraiment le pire des clous cette fois-ci, c'est que dans sa solitude, il se dit, ou on lui suggère que ça serait bien qu'il ait une femme. Voilà. On lui suggère. On lui suggère. On le lui suggère qu'il ne peut pas, d'autant qu'il... il devient infirme, il supporte une infirmité physique en plus, hein, qui vient handicapé. Et donc la solitude s'aggrave du fait de son handicap. Et il est de plus en plus riche, de plus en plus seul. Et, de plus, voilà. Voilà. Il a, et puis tout d'un coup, c'est peut-être le fait d'avoir cet argent et dont il ne peut pas vraiment se sentir assouvi. Que lui vient le sentiment de son néant. Et il a là une sorte de crise existentielle proprement. C'est plus que la solitude. C'est de se sentir, comment dire, le vertige du néant, carrément. Tout à fait. Et là, il ne restera rien de moi. Rien de moi. Pour sauver. Je suis rien. Alors avec je le vieux rien. Réflexe oriental, et de la transmission et de sa richesse, mais aussi de son nom, etc., vient l'idée de la... De la survie, de se continuer, de faire front non plus contre la pauvreté, contre les risques, mais contre la mort, carrément. C'est la lutte contre la mort. Et c'est là le clown qui lui dit, Dieu a inventé la femme pour qu'elle te tienne compagnie. C'est écrit dans la Bible. Ah oui, mais c'est des citations. Avec une Bible. Alors, oui, on est en plein, parce que la comédie est assez... C'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle. Alors... il va, moi j'ai découvert ça, il va, on lui présente quand même, hein, on l'aide parce que jamais il aurait trouvé tout seul, ah oui, oui. Une première épouse qui est vraiment une sainte. Ah oui. Ah une sainte. Oui. Même Jacques ah après. Yassémie. Et Marie, Yassémie. Oh là là. Et j'ai consacré une note pour dire, je ne mettrai pas deux S au nom de Yassémie. Absolument. Pour... Je ne veux pas épaissir, en les dire son nom orthographique. Jasmin, elle s'appelle Yassémi avec un seul S. À ne pas prononcer Yassémi malgré tout. Hein. Prononcez bien Yassémi s'il vous plaît, si vous Jasmin. Trouvez ce nom. Voilà. Tout à fait, voilà, c'est pour ça que vous le dites. Et je le dis en note. Oui, voilà. Ah, oui. Alors, c'est une sainte femme, on peut dire. Oui. C'est oui. Une sainte femme, discrète, pudique, modeste. Elle a absolument toutes les qualités. Sauf qu'elle graphique un peu. Oui, oui, oui. Mais comme on a dans les contes aussi. Voilà, c'est oui. La, c'est, on en a dans elle est parfaite, sauf qu'elle finit par épouser le clown. Non, mais ça sera plus tard. Ça vient plus tard, mais ça arrive quand même. Mais elle ne lui donne pas d'enfant. Voilà, bon. Malgré beaucoup d'efforts, et là c'est aussi extrêmement cocasse, c'est rablaisien. On est rablaisien, je ne suis pas rablaisien. Pas rablaisien, mais franchement rablaisien. Mais quelquefois, vous savez, sur les histoires d'impuissance, alors... Donc, voilà. Alors divorce, parce que oui, pas trop de problèmes, il va voir le pape, il a l'archevêque, voilà. Ah, on va divorce, et alors arrive tout à fait l'inverse, une harpie, une vampe, elle alors. Nous a fait rêver Jacques, Adriana. oui, non, parce qu'en fait, celle-là, elle est gratinée. Elle est gratinée, Adriana, c'est aussi génial, le personnage, alors. C'est l'antithèse. Alors on est dans un côté théâtral, là, voilà, oui. C'est votre ville. C'est l'antithèse de d'ailleurs tous les commérages. Ah ben cette fois il a trouvé, ah ben celle-là, oui, alors, etc. Alors vous imaginez tous les commentaires qui se font sur le dos de l'Adriana quand on s'imagine que cette Adriana, bon, qui en plus, bien sûr. Elle arrive avec son coiffeur. Qui joue de l'harmonica. Lui, il joue de l'harmonica, il joue pas de l'accordéon, Alexandre, il joue de l'harmonica. Et voilà. Donc, eh bien, notre pauvre Cassianos, celle-ci, elle est superbe, etc. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Et alors, ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'elle est enceinte et qu'on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. On sait bien que c'est pas lui le père. Oui, oui, oui. Mais il voudrait tellement être le père. On n'est pas très très sûr parce qu'un jour, elle lui a mordu l'oreille. Il y a des scènes là aussi. Voilà. Et alors là, c'est quand même très très émouvant quand même. Parce que toute la fin du livre, ça va être ça. Ça va être ce petit bonhomme qui va naître.
dont il va rêver d'être le père. Alors qu'évidemment, il ressemble au coiffeur. Enfin, ah, c'est oui. pas possible. Ah, l'histoire de la mèche, oui. Bah oui, l'histoire de la mèche. Oui, oui. Et oui. Et jusqu'à la fin, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie. La fin, c'est vraiment très émouvant. Ah, oui. Il reprend ce petit gamin qui a 10 ans et qui va lui dire « Papa, c'est, oui. il va négocier avec lui pour... Oui. » Hein moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose vraiment qui touche à la tragédie, parce que c'était vraiment, il s'appelle Cassianos, on n'a pas dit son oui, Cassianos, prénom. Oui. Et depuis le début, il est vraiment bon. Quand il est tout jeune enfant, il nous fait pitié. Il est orphelin, il attrape des coups de tout le monde, c'est terrible. Il a toujours faim. Et toutes les petitesses ne suffisent pas pour avancer, pour survivre et tout ça. Et puis au fur et à mesure, il devient de plus en plus détestable. Et puis quand cet enfant... De plus en plus riche et de plus en plus détestable. Plus en plus riche et de plus en plus détestable. Et puis il y a son père qui meurt. Et c'est celui qui le lance dans cette idée que s'il veut être un homme, s'il veut survivre, il faut avoir un enfant. Il a vu son père qui finalement, il est allé même à la dernière minute, Cassianos, le fils, lui a fermé les yeux. Et puis il a dit, ben voilà, il est mort comme un bienheureux, malgré la pauvreté qu'il a toujours eue dans son village. Il n'a jamais voulu venir vers la ville avec lui, le fils réussi. Riche, enrichi et tout ça. Et puis il y a ce petit garçon qui arrive, il lui donne le prénom de son père, hein, mais le hasard fait que c'était aussi le prénom du père du coiffeur, du barbier. Et alors, avec les petits diminutifs qui changent un peu, c'est vraiment... C'est très joli. C'est très sensible. Mais au fur et à mesure, on rentre dans la tragédie. Et on se met de plus en plus, non pas en face et contre cet homme, mais à côté de lui. On a envie de lui éponger les larmes, de l'accompagner, de le rassurer, de lui dire, bon, ben, on va vers la fin, mais c'est pas grave, la vie, tu as fait ce que tu as pu, etc. Et puis il y a ce petit enfant qui arrive et qui apaise tout. C'est quelque chose qui touche à la tragédie, au sommet. Moi, je trouve que c'est le moment le plus triste. Parce qu'il a ce petit enfant, il lui donne tout ce qu'il veut. Et le gamin se retourne et lui tire la langue. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est le début, ça. C'est le début. Après, ils vont s'apprivoiser l'un l'autre. Il lui offre une trompette, il lui offre un tambour. Bien sûr, parce qu'il essaye désespérément de l'apprivoiser. Mais quand il arrive vers la mort, l'enfant ne lui demande rien. Il est là, il se met tout petit à côté de lui, parce qu'entre-temps, il s'est senti en sécurité à côté de ce... père avec petit P ou grand P, on ne sait pas, P majuscule. Et il y a les harpies tout autour qui poussent cet homme qui est en train de mourir, de mettre une signature comme quoi il lui donne tout son patrimoine, c'est son héritier définitif. Et là, on a quelque chose qui est vraiment extraordinairement émouvant, et dans cette dramatisation de l'homme qui finit sa vie et qui devient un saint, parce qu'il donne tout. Il a tout fait pour acquérir, pour devenir riche, et puis il se dénude. Et il meurt comme il est né, tout pauvre. Moi, après avoir fait preuve d'une générosité extraordinaire, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie ? Rien du tout. Juste cette affection que des clous, pour cette... Que des clous. Des clous. Et il est, des clous, des angoisses et des souffrances. Je trouve effectivement qu'il y a une sorte d'apothéose finalement, très étrange. Dans la paternité adoptive. Il y a un très joli, il devient père, mais spirituellement, le vrai père. D'ailleurs, il y a une scène onirique, il fait un rêve où il est, tout homme qu'il est, il l'enfante. Cet enfant sort de lui, de sa chair. Il y a un rêve à un moment donné qui est un grand moment de poésie et d'humanité. Alors, le temps a passé très vite. On va se quitter avec de la musique grecque, bien sûr. La semaine prochaine, on retrouvera Didier Nourisson pour un livre très étonnant sur les affiches qui ont jalonné les campagnes d'hygiénisme depuis le milieu du 19e siècle. C'est sa spécialité, vous verrez, c'est très étonnant, très intéressant.
Je rappelle donc Les Clous de la Croix, ce roman de Nikos Nikolaïdis, traduit par nos amis Alexandre Zotos et Marie Grecos. À la semaine prochaine, Jacques. Et bravo finalement pour avoir ressuscité cet écrivain inconnu, disparu finalement. Et vraiment, ce Cassianos, on l'oubliera pas. Merci à tous. Merci et à la semaine prochaine. Merci. 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 Τη νύχτα Ελένη, 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 το πιο πικρό ελληνικό όνομα, μια κλειστή ελπίδα, όλοι και μια θάλασσα σφιχτή σαν πέτρα και μια θάλασσα σφιχτή σαν πέτρα.